Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous, nous qui parlons cette belle langue de Molière. C'est juste pour nous. Et tous les autres qui veulent nous rejoindre et qui la comprennent, vous êtes le bienvenu. Et si vous êtes là, ça veut dire que vous commencez à sortir du troupeau de moutons. C'est bon signe, tranquillement. Mais ce n'est pas facile de laisser son troupeau. C'est rassurant, un troupeau, je sais. Mais c'est important de le laisser, le troupeau. Parce que le troupeau ne nous mène pas au bon port. Le troupeau c'est le troupeau. Et le troupeau est au service de l'élite qui l'abuse. Donc, il faut sortir de ce troupeau-là. Merci d'être là et de sortir du troupeau. Chers amis, on va faire... On est le 18 juin 2019. Merci à tous ceux qui sont membres, abonnés, franchement, de partout dans le monde. C'est extraordinaire. C'est vraiment un privilège de vous avoir en si grand nombre et de recevoir des liens, des commentaires qui sont toujours, toujours édifiants. Vraiment, chapeau et faut continuer. J'ai promis que je vous ferai un petit tuto parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. J'en ai marre quand tu nous dis que tu laisses les euh, liens dans la boîte de description. C'est quoi ça? Donc, on va aller tout de suite voir c'est quoi le fameux, la fameuse boîte de description. Quand je vous dis, allez dans la boîte de description. Donc, c'est très simple. Vous êtes sur la vidéo. Vous êtes en ce moment, disons, vous avez cliqué sur la vidéo et là, vous êtes en train de visionner la vidéo. Euh. De J'en ai marre sur Freedom News Network, que sur mes autres chaînes, ou de n'importe qui d'autre qui vous dit, allez dans la boîte de description. Eh bien, vous avez le titre. Donc, vous êtes sur la vidéo, vous êtes sur YouTube, vous avez le titre. Et là, vous descendez. Et là, vous avez le titre de la, le nom de la chaîne, et euh, le nombre de, de, de pouces en l'air, d'appréciation, de pouces en bas, le nombre de vues. Vous avez la date où ça a été publié, donc aujourd'hui, ça c'est quand je vous ai parlé de la forte éruption de Popo -Pelt. Et ensuite, vous avez, ça se présente comme ça, vous avez, le, 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 comme je vous le disais, le, le nom de la chaîne. Et, par exemple, vous avez aussi tout de suite en bas la fameuse boîte de description avec toutes sortes de liens que les gens vous laissent. Et ça, vous avez aussi la petite euh, note ici, « Show more »,« Montrer plus ». Et c'est là que vous faites apparaître tous les autres liens, parce que dans la base de ce que vous voyez, hein, sans cliquer sur le « Show more », la base qu'on laisse, c'est deux, trois liens maximum que nous, nous permet de, de laisser apparaître YouTube. Si vous en voulez plus, vous appuyez sur « Show more », et là, vous avez tous les autres liens que la personne... Qui est euh, la créatrice ou la propriétaire de la chaîne, vous laisse et vous dit allez dans la boîte de description. Donc, tu fais Show More, Show Less, ça te ramène à les deux, trois liens qui sont permis hein, automatiquement. Et si tu fais Show More, là, tu as tous les autres liens. Donc, vous avez le lien pour arriver à la chaîne, mon autre chaîne, euh, l'informateur. Donc, si vous cliquez dessus, automatiquement, vous allez voir, ça vous amène à ma chaîne où vous pouvez vous abonner. Vous revenez, on revient, on fait encore Show More, et vous avez l'autre chaîne, Le Monde à l'envers. Vous appuyez dessus, ça vous amène automatiquement, et là, vous vous abonnez aussi, si le cœur vous en dit. Et pour ce qui était de cette, par exemple, publication de dernière heure, une autre forte éruption du volcan Popocatépetl, je vous avais dit, il y a un lien que je vous laisse. Il y a un lien aussi pour ma chaîne Bitchute. Il y a un lien pour Facebook. Vous allez me rejoindre sur Facebook. Il y a un lien pour Patreon. Vous cliquez dessus et vous arrivez à Patreon. J'en ai marre. Comprenez-vous? Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, vous avez le fameux lien pour ma boutique aussi. Vous cliquez dessus, vous arrivez à moi, ma chaîne, euh, c'est-à-dire mon site internet, mon site internet et la fameuse boutique en ligne où vous pouvez trouver euh, les t-shirts et les tasses et ainsi de suite. Donc, et le lien de l'article que je vous ai laissé pour cette euh, publication-là, qui nous venait des Watchers, vous, vous cliquez dessus et vous arrivez sur le fameux lien. Et après ça, dans ce lien-là, ben, il y a toutes sortes de vidéos que vous pouvez. Euh, visionner sur le fameux, la fameuse éruption. Comprenez-vous? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, vous êtes sur la vidéo de qui que ce soit. Mais là, on parle de moi en ce moment. Et là, vous avez... Quand vous avez... Quand vous allez sur la vidéo, c'est comme ça que ça apparaît. C'est ça que vous voyez, vous. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, vous pouvez la continuer, et vous avez le titre. Et là, vous avez les, tous les liens qui sont en dessous du nom de la chaîne, vous appuyez sur show more et tous les liens vous apparaissent. Donc c'est aussi simple que ça. Quand vous vous promenez sur YouTube et vous avez des choses qui vous intéressent et que la personne qui a fait une publication vous dit je vous ai laissé des liens dans la boîte de description, ben c'est là que vous les retrouvez. Vous appuyez sur show more et tous les autres liens apparaissent. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous aura été utile et que finalement vous avez démystifié ce fameux cette fameuse boîte de description dont on parle souvent. Je vous reviens à plein d'autres nouvelles.